justement ce genre de moment, se laisser emporter par le rendez-vous dans un instant. Salut à toutes et à tous, ça fait plaisir de se retrouver dans ce moment où on est au Coupa Stadium. La team Data est ravie pour ce bel événement. Et c'est toujours une grande joie de retrouver notre cher Lyon, rencontre passionnante, l'Olympique Lyonnais face à Auxerre. La passion du jeu s'impose toujours. Pendant 90 minutes, tous nos problèmes vont disparaître au profit du spectacle. Voici la composition de l'Olympique Lyonnais dans le but. C'est Ter Stegen, Antonio Rüdiger avec Van Dijk en défense centrale. Kylian Mbappé sera avec Vinicius sur les côtés. Et enfin Erling Haaland seul devant. Ouais, la récupération très haut sur le terrain. Et ça joue sur Fede Valverde. Oh, c'est contré! Attention, il y a un bon pressing. Tagliafico. Tagliafico. A signaler cette stat pertinente concernant l'OL. C'est la meilleure défense du championnat. Le gros point fort de l'équipe locale, c'est sa grande efficacité défensive. On ne l'a jamais débordé. Elle est toujours très lucide. Passe. Il y avait de l'idée dans cette attaque, mais le ballon est perdu. Gauthier Hein. Et attention, voit ce centre. Oh, c'est repoussé, mais attention, c'est pas fini. Mais non, c'est terminé. C'est fait pour la position de hors 2. Et ça joue sur Vinicius, centre vers Haaland. L'attaque est déjouée, ça n'ira pas plus loin. Lassine Sinayoko. Bon, attention, on signe un but. C'est dans le match du RC Lens. Oui, Benjamin, c'est le premier but pour le LOSC. Un but d'Angel Gomez sur une frappe lourde et lointaine. Un but à zéro donc, après 33 minutes de jeu exactement en Belgique. Allez, merci Laure pour l'info et tenez-nous au courant. Oh, paradoxe de Ter Stegen. C'était chaud là. Quel arrêt déterminant. C'est à cette parade, on va voir s'il y a peut-être une réaction dans son équipe. Peut-être l'occasion de mener au score. Sans problème pour Anthony Lopez. Gaëtan Perrin. En touche pour l'OL. Mbappé. Ouais, le ballon est bien intercepté. Le tir de Modric. Bien défendu, mais le ballon revient. Pour contrer cette frappe. Corner, l'occasion peut-être de passer devant. Et l'OL demande le changement. Le public se fait entendre avant ce corner. Première occasion de prendre l'avantage depuis un moment. Et c'est la fin de la première mi-temps. Et l'équipe... Le début de la seconde période, aucun but marqué pour l'instant. Attention, un but dans une autre rencontre et c'est le match de l'OGC Nice. Oui, c'est ça, il s'agit du premier but pour Monaco. Ça fait donc un but partout après 48 minutes de jeu. Merci Laure et tenez-nous au courant pour la suite de la rencontre. Oh, le gardien n'arrive pas à se saisir du ballon. Ah, il faut l'aider maintenant. Oula, l'équipe n'ira pas plus loin. Ce ballon est perdu. Attention au pressing là. Avec Aurel Mangala. Opportunité pour marquer. Ah, le ballon.
ballon écarté de la zone dangereuse. Ah, il y a une contre-attaque à exploiter maintenant. En bonne position. Un bon arrêt, mais ce n'est pas fini. C'est un arrêt en deux temps après une séquence un petit peu confuse. Malgré un premier arrêt, le ballon était resté en jeu. Finalement, c'est maîtrisé sans trop de difficultés. Relancer sur l'équipe. Et ça joue sur Fede Valverde. Et il remporte son duel, bien défendu. Bon, attention, on signale un but. C'est dans le match du RC Lens. Oui, Benjamin, c'est le deuxième but pour Lens. Un but d'Eli Wahi, c'est son deuxième aujourd'hui suite à une erreur défensive. On en est donc à 2-1 dans un match qui a débuté il y a 66 minutes exactement. Le ballon pour Haaland. Haaland ! Et c'est le but 1-0 ! Ce match s'illumine enfin ! Ce but va transformer la fin de la rencontre ! Voilà ce qu'on attendait ! Un déclic, les filets qui tremblent, la fin va être enflammée ! Ce but a une valeur pour réveiller une émotion positive ! Ça donne une manifestation amplifiée de la passion. L'attaque se poursuit, elle se développe. Haaland, et oui, c'est dedans. Quelle domination, quelle facilité. Oh là là, la rencontre bascule nettement en leur faveur avec ce nouveau but. Voilà, c'est une passe brillante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et pour conclure, Haaland qui rentre dans le ballon, il transmet toute son énergie, toute sa volonté. Bonne intervention de Cacré. C'est un ballon de contre à jouer. Ben non, ce ballon est perdu. Oh, la frappe! Le corps en opposition, c'est pas fini! Modric. Ah, il est loin. Et le gardien s'emploie comme il faut. Il est demandé par la GIA. Et alors, on tire le corner. Vinicius avec le ballon. C'est au fond des filets. Et voilà ce qu'on appelle plier le match. Le score s'aggrave un peu plus, 3-0 donc. Et voilà, l'arbitre qui met un point final à cette rencontre. Et aujourd'hui, Lyon remporte l'étape. La meilleure défense de la compétition.